Oh, l'ennemi t'es vaincu. T'es vaincu, l'ennemi t'es vaincu là. Oh, Jesus. Frère, Jésus est bon. Jésus est puissant. Quand j'arrête l'école, je travaille chez un Libanais. Je travaille dans les points forts, les jeunes. Je ne sais pas à quoi la barbe est comme ça, je travaille jeune. Lorsque le Libanais m'enlève du travail, je faisais la mécanique. Mais après la mécanique, je fais la mécanique là-bas. Je travaille maintenant, c'était fort avec les frères des pays voisins. Je travaille. J'ai prié dans une assemblée. Et quand j'ai chuté, frère, c'était les charlatans. Les charlatans. Pour voir l'argent et comme ça, donc, quelqu'un peut venir comme ça avec sa voiture, il demande 100 000. Il donne 100 000. 200 000, donne 200 000. Vous savez où ça part? Ça part. Parce qu'il faut toujours renouveler le médicament. Après ça, j'avais un problème. J'avais une femme de nuit qui me dérangeait, une sirène qui venait me déranger tous les jours. Mais je prenais ça à la légère. Donc quand je suis avec une fille, c'est elle qui se la prend les crises. Non, c'est pas toi qui es sur moi, J'ai dit, merde, ça c'est quoi comme ça là? Des charlatans. J'ai dit, non, ça c'est toi. Après, c'était maintenant le braquage. On demande mécanique, hein? Toi, la mère n'a pas, ne dis jamais que ton fils ne fait rien parce que tu ne vois pas. Ne dis jamais que ton fils ne fait rien parce que tu ne vois pas, frère. C'était maintenant le braquage. Service de renseignement. Quel que soit le problème, si la PJ vient comme ça à distance, si mon cœur fait battre trois fois, je connais que c'est la PJ. Oui, parce qu'il y avait tellement beaucoup de médicaments, ça c'est pour le marabout, ça c'est pour le michogo, ça c'est pour le massango, c'était tellement beaucoup. Une manière que c'est trop beaucoup, tu jettes pas au c'est la tête s'ouvre. Toujours dans la droite, quelqu'un qui dormait dans les bengalos, dans les maisons inachevées, il dort. Pété, tous les jours pété. Ça n'allait pas, tous les jours bourré. Tous les jours bourré. J'ai dit non, là, je n'ai pas encore me dit non. Faut aller voir tes ancêtres. Tu pars en lambariné. À minuit, frère, soeur. À minuit, hein. Mauvaise sécurité, frère. Tu pars avec une roche. En plein air, tu pars avec une roche, mais tu vois, c'est moi le voir qui me fout. J'ai dit, merde, ça c'est pas comme ça. Jusqu'à là, on n'a pas la solution. Jusqu'à là, c'est toujours debout. L'homme qui marchait qu'avec les gangsters, les bandits, les grands chemins. Donc à chaque fois, comme on partait d'un terrain opéré, on avait une mission qu'on devait kidnapper un monsieur. On arrive comme ça, on me donne le pays comme ça là. Je prends comme ça là. Le coffre pour vous. Quand je vais dormir, parce qu'à chaque fois que je dors, si je fais un mauvais songe, qu'on m'a tiré, moi je ne sors pas. J'attends seulement la tirer telle. Voilà. Parce que quand j'ai signé, je demande à ma mère, on a fait quoi? Tu es chez nous, les massangos, là, les sudistes, là. Il y a toujours des trucs comme aux enfants, on dit que c'est la bénédiction, c'est la protection. Mais c'est pas la protection, frère. C'est depuis là-bas qu'on consacre l'enfant, c'est pas la protection, ça. Je suis comme ça, chaque problème, je tords, je ne vois pas. Je vais m'initier sans parents, rien. Je rentre ce qu'on appelle le diable. Chez les massangos, l'initiation démoniaque, on blesse avec les lames et les aiguilles. Voici le soldat qui rentre ça. Oh, ça ne va pas. On va me couper la tête là-bas parce que c'était maman là-bas. La personne, je ne sais pas si dans Libreville, je vois le ventre qui sont seul. Je mange, les selles, je ne fais pas. Je dis, mais c'est comment? Je vois mon petit frère, je dis, non, là, je vois les gens à moi, quoi. Là, c'est pas bon. J'ai dit, merde. Malgré ça, mon petit, à chaque fois qu'il rentre dans la chambre, comme c'est un chrétien, quand il rentre, quand je rentre dans la chambre, je prends tous les médicaments, là, les noix togolais. Je cache. Je dis non, s'il voit ça, il va comparer le truc de Dieu là. Je prends, je cache. C'était tellement beaucoup. Frère, j'ai pris une décision comme ça, je suis resté comme ça, paf. Je dis non, là, je suis en train de mourir. À partir de minuit, le cœur s'arrête, paf. Ça sort, paf. Je respire maintenant comme ça parce que je ne faisais pas les selles. Parce que je vais à l'embarrader chez une soeur, une autre encore, la Konganga. Elle me fait vomir, frère, une patte là. Hein. Je n'ai jamais vu la qualité des pattes là. Qui sort dans le. Non.
une porte qui pèse. J'ai dit, mais la porte l'a fait comment pour rentrer, que je ne connais pas. J'ai dit, bon. Ah bon, on fait ça, tout la femme, la vie, elle vient. La sirène commence à lever, elle marche. Elle n'a pas la queue. Comment elle rentre, je vois comment elle rentre fort. Un monsieur, me suit le matin, pareil, il dit, mais comment? Mais tout le fétiche là, ça c'est pour le Sénégalais. Mais tout ça, il y a aussi à rentrer, il dit non. Après, j'aperçois un esprit qui vient me dire, toi là, tu dois nous servir. On me dit maintenant, te prendre. Toi, tu dois nous servir. J'ai dit, oh, avec tous les médicaments là. Quand j'avais encore les prières des bâtiments, j'ai crié au feu. Je vois comment l'esprit sort comme ça là. J'ai pris les médicaments là, tous les médicaments là. Je suis parti d'un saint pasteur congolais. Il prend une brûle, il fait le cri dans moi. Ton père s'appelle comment, ta mère s'appelle comment. Un dimanche, je suis dans son assemblée. Sa femme rentre là-bas en train de se dire, il y a quelqu'un qui a reçu la guérison là. Mais mon frère, j'ai mal partout. J'ai mal partout. Elle dit, mais chez nous au combat là-bas, depuis qu'elle est partie, elle tombe de moi. Ma mère là-bas, c'est que j'ai pris là-bas. Mais les gens ne comprennent pas, parce que moi, je suis rétrograde. J'ai dit, mais comment, j'ai quitté les gangas, j'ai mis encore chez les gangas. J'ai dit, non, là, c'est compliqué, il faut sortir de là. Je suis sorti. Je suis maintenant seul à la maison comme ça. Paf! Frère, j'ai reçu une visitation. Paf! Quelqu'un a parlé de Dieu là, Dieu saint, 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 saint. Dieu là, Dieu saint, 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 saint. Frère, on peut me poser les mains. Hein? Le ventre là a disparu seul, frère. Le ventre là a disparu seul, frère, seul. Seul comme ça, Jésus m'a délivré comme ça. Oui, frère. Maintenant, je vais interpeller la jeunesse. Pour toi qui es encore dans le braquage, frère, soeur. Ma soeur, pour toi qui es dans la position. Je me rappelle dans mes passés, quand tu sors de la boîte comme ça, tu dors un mois, trois jours. Je te donne 100 francs de taxi. Je te prends en plein route. Très nerveux. Hein? Frère, très nerveux à l'époque. Quand je m'énerve, je suis comme ça, là, déjà. On dit, mais comment il y a un handicapé qu'on ne sait pas faire même pas seul. Très nerveux. C'était les esprits là, tellement qu'il avait beaucoup de feu. Quand je m'énerve, là, frère. Même la pâté l'a menti. Parce que je peux neutraliser un pas seul. Ouais, frère. Pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui es encore dans les boîtes de nuit. Oui, auparavant, j'ai connu ça. Tu sors dans une boîte de nuit, je te prends, tu dors avec moi. 3 jours, 4 jours, tu donnes 100 francs. Tu ne connais même pas chez moi. Tu ne connais pas chez moi. C'est les maisons inachevées, frère. Le royaume des ténèbres, il n'y a pas le sentiment. Il n'y a pas le sentiment. Quand tu vois quelqu'un marcher la nuit dehors, il n'a pas le sentiment. Et la nuit, on ne dort pas. La nuit, c'est dans tout libre vie. Tu viens comme ça, tu peux être grand détail comme quoi, c'est le braquage, frère. C'est le braquage. La paix, je viens passer sur pour moi, tranquille. Tu peux me critiquer, tu ne peux que me reconnaître par mes doigts. Si elle met les doigts dans les poches, tu vas passer devant moi. Et si comme ça, servir de renseignement, un point vient. La paix, je viens l'écouter. Comme j'écoute comme ça, je transmets. Allez, gars, bon, on doit fouiller, on part à Mouilla. On part à Mouilla, on se cache. Que les maisons inachevées, que l'homme dort déjà. En exil. C'est comme ça, tu manges de ma tombe, les petites bananes là, tu n'as pas les parents, tu regardes comme ça. Le frère Jésus m'a sorti de là, frère. Oui, moi j'ai attendu, frère. Ah, ma gueule, Jésus puissant. Jésus puissant, frère. Moi j'ai attendu. J'ai attendu dans ma vie le bruit de la balle. Ouais, frère. Le bruit de la balle. Je me rappelle, comme on allait de tout, monsieur là, on est dans un endroit où il y a les agents. On dit, ils me disent Axel, on dit comment? Parce qu'il y avait les sobriquets, on dit comment on prend le monsieur là? Frère, la gère comme ça, on dit on prend le monsieur là. On doit lui minoter. Ah, j'ai dit, oh, quand je dors, je vois comment on m'a tiré tout ça là, poum! J'ai dit, non, on ne sent pas. Si on fait ça, on meurt, frère. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Il a fait de moi un prédicateur. Vous connaissez mes diplômes? Mes diplômes, c'est Jésus. C'est mes doigts qui m'a donné là, frère. C'est mes doigts qui m'a donné là, frère, soeur. Frère, il n'y a pas un hasard. Il n'y a pas le hasard entre eux. Il sait pourquoi m'envoyer comme ça. Il y a des moments quand j'arrive à un terrain, je dis non, je suis remarquable. Les gars, là, ne fais pas ça. Allez-y, je me cache. Ouais, mon diplôme, c'est les doigts là. C'est ça mon diplôme, frère. Ma bouche et mes yeux. Et celui qui veut me tuer dans la bonne que tu es, Jésus. Parce que la Bible déclare que moi, je suis mort. Moi, je viens me cacher en Christ en Dieu, frère.
Vous dites que jeune, la solution c'est Jésus. C'est possible de renoncer au bord de nuit. C'est possible de renoncer au bord de nuit, frère et soeur. C'est possible de renoncer à la drogue, frère. Moi j'ai fumé jusqu'à tu vois le, la tête s'ouvre comme ça, tu vois comment ta tête s'ouvre. Tu es comme ça, tu te regardes toi, comme dans un miroir. Avec ça, les drogues. Mais l'homme n'est pas fou parce qu'il avait la main de Dieu, frère. Les charlatans, charlatans, tu parles là-bas, tu donnes 80 000 Nobel. On te fait le mot, on dit papa ou maman, c'est la grand-mère qui fait ça. Tu arrives, on te dit tu es maître. Toi, tu es un génie, tu dois t'asseoir à côté de nous aussi là. Tu dis, oh, comment je dis, moi, je... assieds-toi, il fait le médicament, il te montre comment on travaille ça. Tu dis, mais comment? Parce que quand j'ai toi, même chez un charlatan, quel que soit le truc, je vais te voir, paf. Tu dis, oh, mais là, un homme qui parle là, c'est les grands humains qui mettent dans les mandjas là, les cas. Il dit, oh, mais tiens, maintenant, non, mais ils ont voulu maintenant, mais faire asseoir. Et lui, là, il est venu voir pour nous, maintenant, on va le faire asseoir. Frère, Jésus m'a délivré. Hein. Jésus m'a délivré. J'ai béni Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il fait de moi un prédicateur. C'est là où, quand je me lève pour annoncer Jésus, frère, je n'ai ni la mort, frère, ni la hauteur, ni la profondeur. Aucune personne ne peut me ravir de la main de Dieu, frère. En Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est ton affaire. Il est puissant, frère. Il est puissant, frère. Et je ne cesserai de parler sur mon frère. Oui, Dieu n'est pas un Dieu de la foule, frère. Dieu n'est pas un Dieu de la foule, frère. Oui, si Satan n'a pas vu ma part dans le monde, c'est pas en Christ, frère. Oui, frère. La mort en Christ, c'est une joie, frère. Une fois qu'il est né, je lance une annonce à toutes personnes qui sont nées. Quel que soit l'indicat, c'est rien, frère. Quel que soit l'indicat, frère, réalise que tu es l'image de Dieu. N'aie pas honte, frère. Jésus est puissant. Il sait pourquoi il m'a envoyé comme ça. Je sais pourquoi, frère. Il sait pourquoi il m'a envoyé comme ça, frère. Ouais, parce que Satan connaît que son royaume entier est tremblé, frère. Il connaît que son royaume entier est tremblé, frère. Il connaît que son royaume entier est tremblé. Aujourd'hui, là, la foule est sirène. La sirène des hommes de Dieu, c'est une sirène, frère. Mais le jour que vous rentrez dans la chambre comme ça, frère, je reçois une visitation, je ne sais pas où ils sont. Il a bousculé comme ça, un homme, frère. On parle de moi, frère. Il dit, moi, je prends position de quoi, là. Frère, on parle de moi, il prend position de quoi, là. De lui, il va prêcher. Il va parler de moi, frère. Il va parler de moi. Il me dit, mon fils, tu passes par la route resserrée, je vais manger le fruit. Je dis, oh, père, je prie à ce niveau, tu vas aller, vas-y, pense. Un jour, j'arrive sur le blanchisseur, frère. On a volé mon linge, le blanchisseur. J'ai regardé le blanchisseur comme ça. L'esprit me dit auparavant, tu passes chez le blanchisseur, tu enlèves les jeans, moi. Tu enlèves les jeans, moi. Laisse-le à ça. Il dit non, reste. Laisse-le à ça. Oh, Jésus, frère. Jésus puissant. Je bénis Dieu, frère. Que toute la gloire revienne à Jésus. Mon placard, c'est l'enfer, frère. Si je mourrais là-bas, c'est l'enfer, frère. Ouais. C'est l'enfer, frère. Le bouton que vous voyez là, ça les dents, frère. Ça les dents, c'est qu'on voit là, frère. Tu es jeune fille, tu sors de la boîte comme ça, tu ne sais pas. On te prend comme ça, on t'amène une place. Frère, tu n'es même pas sûr de revenir vivant. Tu n'es pas sûr. Mais il y avait toujours quelque chose qui comptait en moi, non? Parce que j'avais. En fait, les gars dans le monde me voyaient comme attirer les doigts là, quoi. Ils ne savaient pas que je suis né comme ça. Donc, quand je suis face au grand, quand je me lève pour parler, ils écoutent. Ils disent non, non, attention, lui là, oh, non, lui là. Là, parce que même quand je suis en cellule, quand je dors comme ça, je vois comment elle rentre. C'est un démon, c'est la sirène, elle rentre comme ça. Elle vient me faire sortir de la cellule. Quand je dis au gars qui est en cellule, moi, que non, moi je sors. Ils disent non, toi tu vas rester. L'enquêteur dit cachez-le là-bas. Frère, moi je le vois, c'était l'œuvre de la sirène, frère. Mais c'était la main de Dieu qui était là, frère. C'était la main de Dieu, frère. Je n'ai pas fait la prison, mais Jésus m'a saisi, frère. J'ai lancé un appel à tout le monde. La jeunesse, frère. Tu peux abandonner la drogue. Tu peux abandonner la débauche. Oui, frère. Moi, j'ai écouté le plomb, frère, sonner comme ça. Vous êtes dans une route en train de courir. Tu attends, pop. Mais tu es en train de courir, chacun pour toi. Oui, frère. Tout ça, là, c'était les maracas. Le médicament, on renouvelle l'eau. Mais Jésus me dit, crois, tu seras béni, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il m'a jamais dit de renouveler. Toujours les coques, les cabris, tu es là toujours. Avec les carolins, toujours esclaves fraîches. Lié. Même ton père, ta mère ne mange même pas pour toi. C'était seulement le charlatan. Peut-être que tu te dis, oh papa, il faut venir voir renouveler.
J'ai vu qu'on est à Dieu pour venir me renouveler. Tu prends une nouvelle. C'est plus là-bas, c'est sur le Sénégalais. Il fait une renouvelle, papa. Beaucoup les médicaments, tu jettes, ça fait paf. Tu brûles les interdits, tu vois la tête comme ça. Mais l'homme n'est pas devenu fou parce que c'est la main de Dieu, frère. C'est la main de Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth.